25 février 1954. Ho Chi Minh, le leader communiste, s'apprête à passer en revue les troupes de son armée. Depuis près de 9 ans, il lutte pour libérer son pays du joug colonial français. Un pays déchiré par une ligne de fracture qui pousse une partie de ses compatriotes à combattre son idéologie. Mais entre un jeune supplétif vietnamien de l'armée française et un jeune combattant de l'armée Viet Minh, seul l'uniforme diffère. Les blessés partagent la même douleur et les morts la même terre. Leur lutte fratricide ne fait que commencer.